Salut à tous, c'est Baïsanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'astuces sur Fortnite. Je vais vous aider dans les défis hebdomadaires de la semaine 1. Dans cette vidéo, on va voir le défi visiter tous les camps de pirates. Il y en a 7 à visiter, vous allez voir c'est pas compliqué, allez c'est parti. Donc c'est parti, le premier camp de pirates qu'on va aller visiter est entre le bloc et les Ilagones, donc la nouvelle ville du coup qui a été ajoutée sur la map lors de la saison 8. On a juste à s'approcher du coup du camp de pirates et on l'a. Donc là moi c'est le troisième, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les deux autres que j'avais récupérés pendant des top 1 juste après. Vous allez avoir les 7 dans la vidéo. Donc il est juste ici, entre le bloc et les Ilagones. Ensuite on va enchaîner du coup, le deuxième camp de pirates se trouve juste à côté du volcan. Honnêtement ils sont quand même assez gros, c'est pour ça que j'ai hésité à faire une vidéo dessus. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis sur la chaîne secondaire et pas la chaîne principale. Je pense que tous les défis vont être mis du coup sur la chaîne secondaire. Je vais laisser la chaîne principale plutôt pour tout ce qui est information et vidéos un peu plus intéressantes. Là les défis, on a beaucoup qui arrivent à les faire par eux-mêmes. Du coup je pense décaler ça sur la chaîne secondaire. Donc ici le deuxième camp de pirates, moi j'avais déjà récupéré près du volcan. Donc ensuite on enchaîne avec le troisième camp pirate, donc j'ai déjà visité. Quand je vais m'en approcher j'aurai pas la petite notification, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Du coup ce camp pirate est entre deux sites dépôts et Loot Lake. Franchement je vous l'ai dit c'est assez gros, il est juste ici. Vous avez juste à vous en approcher et ça sera compté. Donc comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, moi celui-là je l'ai déjà visité. Donc j'aurai pas la petite notif, mais vous l'aurez. Je vous montre aussi rapidement sur la map, du coup ça se trouve juste ici, donc entre Dusty et Loot Lake, voilà la petite cabane qui est là. Ensuite le prochain, il est au niveau de la map enneigée, donc entre Grizzly Grove qui est solo et Tilted Tower. Donc on voit le camp de pirates juste ici, là ensuite vous allez voir la notif à chaque fois va pop en haut à gauche. Tous les prochains je les ai pas encore visités. Donc celui-là normalement c'est le quatrième, voilà nickel le quatrième. Ensuite vous prenez un coffre, si vous voulez pas trop rester dans cette zone, je vous conseille de prendre les canons. Franchement les canons terribles, bim, vous tirez, ça vous décale, au moins tranquille je peux vous montrer où c'est sur la map. Donc c'est juste ici. Ensuite le cinquième camp pirate, donc si vous l'avez fait dans le même ordre que moi, c'est juste ici entre Paradise et Retail. Donc on a la maison avec le pont cassé qui est juste là, ça a été modifié en camp pirate. Le petit coffre en plus qui est juste ici. La petite notif, visiter les camps de pirates, c'est le cinquième. Et du coup, on va enchaîner les deux autres. Avant ça, je vais quand même juste vous montrer où c'est sur la minimap. Je me protège, voilà, juste ici. Donc, entre Retail, Salty et Paradise, voilà, juste là. Ensuite, l'avant-dernier, donc le sixième camp de pirates, c'est juste à côté de Pleasant. Donc, pareil, la maison ici, l'ancienne discothèque qui a été modifiée en camp de pirates, voilà. Le sixième sur 7, pareil, la même technique. Je me mets dans le canon et je me dégage de cette zone. Il y a beaucoup de joueurs qui y vont justement pour les défis. Et au moins je suis caché et je peux vous montrer où ça se situe. Donc juste ici, à côté de Pleasant et la petite colline. Et pour le dernier, du coup, on va aller à côté de Salty. Donc le dernier camp pirate à visiter est juste ici. Donc pareil, grosse maison, le drapeau de pirate pour vous indiquer que c'est bien ici. Regardez, la même stratégie, je me pose sur le toit, je casse le toit, je vais à l'intérieur du canon et je vais rapidement vous montrer où ça se situe. Si jamais les potes, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous êtes sur la chaîne secondaire, pas sur la chaîne principale. Donc comme ça, moi, vous allez avoir toutes les notifications des vidéos bonus de la chaîne secondaire. Et si jamais les vidéos infos, défis, astuces vous plaisent, n'hésitez pas à rentrer le code Baïsanka dans la boutique, ça ferait super plaisir. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde.